Donc, on va démarrer. We're going to start. Good afternoon, everyone. I see that people are connecting and the counter ticking up. So we're just going to give everyone a few more seconds before we launch this event. I see already 52, 53 participants joining in. Welcome. Just so you know, you're in the right event. You've joined the event on how to advance the climate and environment agenda in fragile context, which is part of UNDP's development dialogue series. A few technical detail. We'll start in English and then we'll switch to French. There's an interpretation button at the bottom where you can, so you can listen in the language of your choice. And yeah, I think there's about 60 of us in this event, so welcome again. Welcome to our panelists, who I'll introduce very soon. I think it is already my really great pleasure to welcome you all and Maria Luisa Silva, the director of the United Nations Development Program here in sunny Geneva in Switzerland. To please kickstart this development dialogue series on advancing the climate and environment agenda in fragile context. Maria Luisa, if you can see and hear me, over to you. Hello. Well, it's a good thing that Maria Luisa is not ready yet, because I can see that people are still coming in. Here we are. Welcome, Maria Luisa. Please go ahead. Thank you, Stella, and welcome all to this new development dialogue where the United Nations Development Programme explores new approaches and solutions to its work in crisis and fragile contexts. By now, we know that climate change and environmental degradation can have major impacts on social systems and political stability, including through higher incidence of resource-based conflicts, forced migration and displacement, as well as loss of livelihoods. But interestingly, OECD has recently concluded that most countries experiencing fragility were off track to meet all of the SDGs except one, SDG 13 on climate action. In our view, this reflects the commitments of some, maybe many, of fragile states to do their part in contributing to the global agreements, whether the Paris agreements or other international environmental treaties. And this should be recognized and further supported by the international community. But it also shows the challenges in addressing the key question that we hope we're going to be focusing on today, which is how can we support fragile states in maintaining their low emission levels and exemplary contribution to the global climate objectives, while at the same time protecting nature and meeting their legitimate demands for poverty reduction and resilience. Reflecting on some of the challenges and opportunities to simultaneously address poverty reduction and climate change through nature-based solutions is particularly timely because, as you know, in a couple of days, we will be celebrating World Environment Day with the theme of restoration of ecosystems. And in our view, the best way to advance the solutions is through ambitious and well-crafted multi-partner and integrated initiatives addressing climate, fragility, and poverty under a single framework aligned with the Sustainable Development Goals. And we in Geneva are honored, in UNDP Geneva, are honored to host an innovative attempt to respond to this triptych in the Central Africa region, the Central African Forest Initiative,
which we believe is an excellent case and region to illustrate today's discussion. The Central African forest is the second largest rainforest in the planet and home to very rich biodiversity, absorbing as much CO2 as that produced by 400 coal-fired power plants. But it's also one of the most vulnerable and poorest regions in the world. Five of the six partners, partner countries in the initiative are in the top tier of the OECD's Fragility Index and the bottom 20% of UNDP's Human Development Index. Democratic Republic of Congo alone, for example, holds 73% of its population, or 60 million people, as extremely poor, living under $2 a day. And while WWF has recently shared the very good news that forestry growth is happening in the Central African forest, it's also true that in other parts, deforestation is becoming a huge challenge. For example, in the 5 years between 2000 and 2015, the loss in forests in DRC alone was equivalent to burning 2 billion barrels of oil. So I very much look forward to the perspectives from the distinguished panel speakers with us today, and how can we continue protecting this essential forest for the well-being of their people and for the transition towards a low carbon world in spite of ongoing conflicts, political instability, and persistent poverty. Stel, back to you. Thank you very much, Maralisa, for these staggering numbers that we've heard already. And I really truly hope that our speakers and panelists today will shed light not only on the challenges, but also the solutions, as you very well mentioned. I will be the moderator for this event, and my name is Estelle Fache. I'm with the UNDP and the Central African Forest Initiative. And what we're proposing to do before we turn to our keynote speaker is to share a very quick poll with the audience. We have now 82 participants on your perceptions on the support to the climate and environment agenda in countries with fragilities and conflict. So if I can ask my colleague to please pull up the poll, and then I'll read them in English so that the French speakers can also vote and tell us a little bit on their perception. So I don't see the poll, but it's going to come up. All right, I'll read the question so you can get ready for it, and you'll have just a minute to answer. So the question is, should development support focus on the climate and environment agenda in fragile context? And you have four choices. The first is yes, absolutely. That's answer A. The second is yes, but first thing first, maybe, you know, support should focus on peace and inclusive governance and strengthening institutions before we turn on to other environmental agendas. The fourth question is no, because, you know, countries in fragile contexts have not been historically big contributors to climate change anyway. And then the last question would be yes, but mostly because those countries in fragile contexts have urgent needs on climate adaptation. And I don't know if you can see the poll. I cannot see it myself. But if that hasn't worked, then you'll get a second chance to do this. You'll get a second chance to do this at the end of this event. We were hoping to get your perceptions to see if they were changing, but I don't think the poll has functioned, but that's okay. So please think about it, you know, do you think it's important to focus on the, here we go, here's the poll. So again, should development support focus on the climate and environment agenda in fragile context? Yes, absolutely. Yes, but with reservation because it may not be the priority. No, because countries in fragile context are not big contributors to climate change anyway. Or yes, but mostly for the urgent needs on climate adaptations that fragile countries with fragility can have.
So please vote, and then I'll check on the numbers of in a few seconds, but I'll give you maybe 30 seconds to vote. And I just, as a reminder, panelists are not allowed to vote on this poll. So while you do this, while you vote, I'd like to introduce our keynote speaker today, who's Mr. Njoya Tiko. He's the manager of the UNDP Subregional Hub for West and Central Africa. And we've asked him to be here today to share his thoughts on the inextricably linked and related challenges and interplay of climate change and the loss of biodiversity and inequalities and conflict in the African region. And then to give us a little bit of sense on framing the UNDP support in this particularly challenging context. So Njoya, if you're ready, please go ahead for your keynote address. Thank you very much. Thank you, Estelle. Good afternoon, colleagues. Let me perhaps start by thanking Maria for already contextualizing, I think, this development dialogue. I just got off a meeting before this conversation on the situation in Goma with the volcanic eruption that I think you all have been following. And jumping from that conversation to this one is by far a reinforcement of how important this conversation we are having today is. If anything, it's a demonstration for the need for us as partners, as a system, as member states, to pay more attention to the issues of climate change and how they affect our region. Now, as you are aware, colleagues, many of the countries in West and Central Africa are constantly ranked as some of the most fragile. If you look at all the fragility, the state fragility index, the countries that we cover in West and Central Africa are constantly ranked as some of the most fragile countries in the world. If you look at the region from that perspective alone, then you would understand how our interconnectedness and the impact of this fragility to the conversation that we are having today is necessary for the solutions that we might be thinking of to get in the region or the sub-region out of the current fragility state. By fragility, most of us have very erroneously looked at security in the past. But I think the conversation today helps us look at fragility beyond security, but contextualize fragility in the broader sense, which it's supposed to be contextualized, looking at natural and man-made causes. Endowed with an abundance of natural resources and a huge growing human capital, the Western Central Africa region has struggled to optimize these opportunities due mostly to two things. One is the recurrence of natural, environmental, and climate-induced challenges. The other, obviously, is the recurrence of insecurity orchestrated mostly by political contestations and mass displacement in the region. The region also plays host to a huge amount of displaced people, as you all know, specifically the Sahel region. Now, shadowed by the COVID-19 pandemic, I think the past 14 months has revealed how inextricably linked we are to our planet. During this period, while humanity recorded a decline in socioeconomic activities and mobility, the world recorded an uptick in waste pollution, putting pressure on our biodiversity and exacerbating the climate crisis. From the Sahel to the Congo Basin, we have seen how homes and families have been impoverished by disaster like earthquakes, volcanic eruptions, the one I just spoke about in Goma, floods and drought. According to the World Bank, the pandemic has pushed an estimated 23 million people into poverty. Now in the Sahel region alone, which is home to over 300 million people, projected temperature increases from 3 degrees Celsius to 6 degrees Celsius are twice as fast as in any other region of the world. The increase is expected to exacerbate drought, contribute to river flows decline, floods, heat waves, locust infestation, agricultural losses, and recurrent food crisis.
The Sahel is already one of the epicenters of food insecurity in the world. But I think not all hope is lost. These challenges, if anything, remind us of how our actions influence the world we live in and undermine our own existence. The interplay of climatic and environmental risk with socioeconomic and political realities of fragile contexts warrant a systemic and multi-risk approach that mobilizes all of our assets in Western Central Africa to accelerate sustainable development growth agenda. Renewed efforts are now currently being taken under the United Nations Integrated Strategy for the Sahel to address the root causes of crisis underdevelopment in the region across the three pillars of governance, resilience, and security through initiatives such as the Sahel Resilient Project, which we do in close collaboration with the ECOWAS, the Economic Community for Western Central African States. We have been able to support 7 Sahelian countries to build resilience of communities, disasters, and climate change. By supporting countries with the implementation of the Sendai framework through improved disaster and climate data analysis and the application in decision-making, we create pathways to transition to a risk-informed development trajectory. This is critical to preventing further erosion of hard-earned development gains. Our continued support as UNDP to establish a multi-hazard early warning system in Africa and countries in the region emphasizes the importance of adequate warning for early actions to save life. In the Lake Chad Basin, for example, where conflict and environmental fragility make communities more vulnerable to climate change, further undermining livelihoods and exacerbating the competition around scarce natural resources, we have established a stabilization project providing 500,000 households with livelihood support through cash for work, roads construction, and basic social service delivery. Such efforts obviously boost the economic activity in the region, making it possible for displaced people to return to their communities. Construction and rehabilitation of forest protection offices, schools, hospitals, houses, market stores, justice and security facilities also contribute to building community resilience to conflict and climate-related risk. We also see big potential in the Central Africa region. The Congo Basin forest, I think, as Maria has mentioned, being the second largest forest in the world, are endowed with a significant climate change mitigation potential and are essential contributors to countries' nationally determined contribution, the NDCs, under the Paris Agreement. These forests contain between 25 to 30 billion tons of carbon in their vegetation, representing approximately 4 years of current global anthropogenic emissions of CO2. Protecting an additional 1% of the forest in this region, in the Congo Basin region, would preserve 230 million tons of carbon, or about a third of UK's annual greenhouse emission. So while we acknowledge the challenges prevailing in the region, we also recognize its potential. With collective actions and strategic investment, the West and Central Africa region is only set to rise. So let me at this point take a moment to thank and recognize our colleagues with the Central African Forest Initiative. I know Bertha is online, a multi-partner facility that supports direct investment to address natural resource conservation and promote socioeconomic development in the 6 partner countries. At this point, let me give the floor to my colleagues. I think I will go back to you, Estelle, but I want to wish you all an excellent conversation and a dialogue. And I'm hoping that this is only going to serve as a beginning of further discussion on a topic that is so relevant, not just to us as development partners, but to the people that we are all called upon to help improve their lives in the South region. So thank you very much, and I wish you all an excellent conversation today. Thank you, Esther. Now, thank you, and Joya, for your remarks, and for especially for pointing out the interconnectedness
of these issues. And if you see like I do the results from the poll, looks like, you know, about 2/3 of our audience is pretty convinced that we should development support should focus on the climate and environment agenda, even in fragile context, which is good. It means that there's still, you know, maybe 1/3 of people here who are hesitant. So we'll see if and how this perception change by the end of the event. I also see a couple of questions already popping up. We'll have a question and answer session after the panel that's going to focus on Central Africa. But thank you again, Njoya. Njoya has mentioned, and we thanks the, you know, the Sahel example, but also Central Africa. And I think what we're going to do now is turn into that region with a panel of 4 people that I'll introduce one by one. So in this context, when we talk about Central Africa, we talk about, the sub-part of the Congo Basin, where we have the 2 Congos, Democratic Republic of Congo and Republic of Congo, Gabon, the Central African Republic, also represented here, Cameroon and Equatorial Guinea. And to start, you know, to make you dive into that completely fascinating region that Maria Luisa and Joya have talked about, with its extraordinary potential to fight climate change, but also to fight the loss of biodiversity, this global crisis, this other global crisis, we're going to show you a very short movie. It's only 2 minutes, and I'm asking my colleague Ole to please set it up so that you can all see. Thank you, Ole. There you go. Sorry, just one second. Mm-hmm. So please, in the meantime, any questions you may have, please direct them to the question and answer box rather than the chat. It'll be easier for us to see them. All right, let's wait that everybody's computer has successfully charged the movie and turn up your sound, and you should, I'm starting now. Or cette forêt disparaît à un rythme accéléré. Chaque année, ce sont plus d'un million d'hectares qui disparaissent. Chaque heure, l'équivalent de 2 terrains de football. Les activités humaines impactent cette ressource à des niveaux sans précédent. Du fait de l'exploitation agricole, forestière, minière et du développement d'infrastructures. Et cet impact négatif est décuplé par un manque de sécurisation foncière et par une population en constante augmentation, dont les besoins alimentaires, en énergie et en logement se font croissants. Merci Olé pour ce film. Voilà, c'est un film qui finit avec un petit peu de suspense parce qu'on parle plus des problèmes que des solutions. Et c'est justement pour ça qu'on a un panel extraordinaire aujourd'hui qui va nous parler un petit peu des solutions envisagées dans certains de ces pays. Donc pour ça, je vais me tourner vers Madame Angélique Mbelou, qui est la facilitatrice nationale pour la République démocratique du Congo au sein de la Coalition internationale pour l'accès à la terre. Angélique, bienvenue. Et j'aimerais vous commencer avec une première question. Alors, comme on l'a entendu, la RDC n'a pas été d'un énorme contributeur historique à la crise climatique actuelle. Malgré tout, comparé aux pays industrialisés, malgré tout, elle a un rôle à jouer. Car la perte de ces forêts tropicales s'accélère nettement. Et comme l'a évoqué Maria Luisa, elle a émis sur 5 ans l'équivalent, c'est étonnant, de la consommation de 2 milliards de barils de pétrole. Donc la perte des forêts en 5 ans, 2 milliards de barils de pétrole. Mais c'est aussi en même temps un pays dont une énorme partie de la population souffre de pauvreté, comme on a parlé à Njoya, d'insécurité alimentaire, de malnutrition, sans même commencer à évoquer les conflits. Il a même été écrit
Récemment, c'était dans Le Monde, je crois, qu'on dit que c'est la faim qui grignote les forêts en RDC. Donc, on est dans un pays, vous êtes dans un pays qui fait face à d'énormes besoins en développement, des besoins en terres arables pour cultiver, pour se nourrir, et qui se retrouve aussi confronté au dérèglement climatique, aussi bien au niveau de l'adaptation que de sa contribution, de l'atténuation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des choix auxquels la RDC est confrontée et comment, de votre perspective, elle les aborde? Bonjour Estelle. Alors, merci pour ces questions et bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre. Le documentaire s'est vraiment achevé sur une question épineuse. Ça ressemble à un quiz, un petit examen de gouvernance. Alors, je commencerai par dire que bien souvent, les gens pensent à tort que la préservation des écosystèmes est opposée à la lutte contre la pauvreté. À tort qu'il faut absolument couper des forêts pour développer le pays ou pour faire avancer la dynamique économique du pays. Les constats qui ont été présentés dans ce documentaire sont le reflet de cette approche antagoniste entre la préservation et la pauvreté. Et c'est pour cela que nous remarquons que les industries, les exploitations forestières se multiplient sous le prétexte d'engranger les caisses de l'État, de créer des emplois et de développer une économie locale. Mais la réalité est que les exploitations industrielles ouvrent des routes et des pistes dans les forêts. Elles s'enfoncent dans les paysages des forêts primaires et les fragmentent. Elles créent ainsi des petits morceaux de la forêt, dont l'unité est importante pour qu'elle puisse jouer ce rôle de régulateur climatique. Alors, ces routes et ces pistes qui sont ouvertes par les concessions vont maintenant servir de point d'entrée à d'autres utilisateurs qui vont accélérer la déforestation. Et c'est ainsi que souvent on parle de l'agriculture sur brûlis, de l'exploitation artisanale, qui sont considérés par beaucoup de gens comme des facteurs directs de déforestation, des moteurs directs de déforestation. On se rend compte qu'ils ne viennent que parce que les pistes ont été ouvertes, que parce que ces voies ont été ouvertes dans les forêts. Les pôles de déforestation que l'on peut remarquer sur les cartes satellitaires de la RDC vont dénoncer tout autour des infrastructures routières, tout autour de ces pistes qui sont autorisés par les concessionnaires forestiers, vont donc révéler une activité de l'homme qui va augmenter au déficit de la forêt. Mais si nous regardons de plus près, si nous analysons les choses telles qu'elles sont, c'est la fragmentation de la forêt, la fragmentation des paysages et des pans entiers de forêts primaires qui aujourd'hui fragilise les forêts de la RDC, qui aujourd'hui accélère la déforestation et donc la perte du couvert forestier. L'agriculture sur brûlis est pointée du doigt, mais en fin de compte, le travail que l'on pourrait faire sur l'agriculture sur brûlis, sans pour autant tenir compte de ces facteurs indirects qui pourtant sont majeurs, ne porterait pas de résultats. Il faut aller au-delà de cette simple stigmatisation de la petite agriculture comme moteur principal de déforestation, et plutôt cibler ce qui constitue pour nous une cause majeure, la planification des allocations industrielles. Comment est-ce qu'on réfléchit à l'emplacement, à la situation où vont venir se retrouver les concessions industrielles? Comment est-ce qu'on dessine des routes dans nos forêts? Est-ce pour renforcer, pour les préserver ou est-ce pour les fragiliser? D'autre part, j'aimerais aussi porter en avant le fait que dans cette lutte contre le dérèglement climatique, la RDC a un atout, une carte joker qu'elle utilise très peu aujourd'hui et que sont les communautés locales et peuples autochtones. Leur connaissance des forêts, leur connaissance de leur terroir traditionnel est un atout d'importance pour observer et maîtriser l'immensité des forêts congolaises. Nous savons très bien que sans l'implication des communautés, sans l'implication des populations, tous les efforts que nous pouvons mener pour le maintien des couverts forestiers seront vains. Il faut que les communautés, il faut que les populations soient impliquées. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans les programmes qui sont mis en œuvre en RDC, cette implication est superficielle. Les communautés ne sont que des bénéficiaires de nos programmes, ne sont que des bénéficiaires collatéraux afin de pouvoir cocher la case implication des communautés.
Donc, nous observons que les espaces de vie de communauté que sont les forêts vont être mobilisés par des programmes de conservation, des aires protégées ou encore des concessions, d'autres programmes qui vont mettre en place des restrictions pour les communautés et qui vont donc freiner l'activité quotidienne des communautés qui va leur permettre donc de pouvoir subvenir à leurs besoins en lieu et place de pouvoir les booster, de pouvoir les impliquer dans la recherche des solutions. Donc, sans ce consentement des communautés, sans l'appropriation des communautés par rapport à ces programmes et leur pleine, leur dynamique implication, on ne pourra pas avoir, de résultats sur le couvert forestier et sur tous les programmes de préservation que nous avons. Or, nous savons que l'intégration des communautés va de pair avec la reconnaissance de leurs droits traditionnels. Ces communautés ont vécu sur ces terres depuis de nombreuses années. L'activité qu'elles ont menée avant que les industriels n'arrivent ou avant que les concessionnaires n'arrivent est une activité qui ne mettait pas en danger la forêt. Ainsi donc, si nous augmentons les initiatives communautaires pour la préservation des forêts, qui permettra à communautés de pouvoir refléter leurs aspirations, leurs projets de développement à travers un programme qui en même temps va permettre la surveillance du couvert forestier, nous aurons entre les mains suffisamment d'éléments pour comprendre ce qui se passe dans les forêts et garantir un temps sans peu à minimiser les pertes du couvert forestier. Alors, bien sûr, l'implication des communautés, la reconnaissance des droits des communautés, tout cela va entrer dans un projet qui doit être global pour la RDC, un projet qui ne concerne pas que le secteur forestier. Parce que nous savons que la projection du développement durable, c'est la recherche d'un équilibre entre l'environnement, donc entre l'espace et les ressources naturelles, mais également entre les aspirations de la population. Il faut planifier l'utilisation des ressources. On ne dit pas que le gouvernement doit refréner toutes ses aspirations d'exploitation industrielle. Nous disons qu'il faut mieux repenser comment est-ce que l'exploitation va se faire et engager les communautés dans leur part de surveillance, de contrôle du couvert, tout en permettant leur développement à travers les activités qu'elles font habituellement et qui ont peu d'impact sur les forêts. Donc, les défis de la RDC aujourd'hui, pour en revenir à la question à votre question Estelle, on pourrait penser que c'est simplement l'infrastructure, parce que la RDC est un très grand pays, c'est un grand pays, on a besoin de routes. On pourrait penser que ce serait les ressources, aussi bien en termes de logistique et ressources humaines. Mais pour ma part, je dirais que c'est avant tout et principalement un défi de gouvernance. La gouvernance dans son fondement, comment est-ce que cette gouvernance s'exprime? La gouvernance dans sa déclinaison, comment est-ce qu'elle va arriver jusqu'au niveau local? Et la gouvernance dans sa diffusion, comment est-ce qu'elle s'applique dans les différents secteurs? Et donc, par rapport à ça, trois aspects concrets vont venir apparaître en termes de défis. Premièrement, c'est l'adoption d'une politique du principe de préservation sur les ressources et sur les droits des communautés locales. Il faut qu'on puisse arriver à inscrire la préservation dans le programme par un leadership politique qui est au-dessus des simples ministres qui sont en charge de l'application. Ça veut donc dire que l'engagement présidentiel de la RDC est important afin que le message soit diffusé au travers du programme du gouvernement, mais surtout qu'il soit mis en œuvre au niveau provincial avec la décentralisation et l'accompagnement des communautés locales et des acteurs locaux. Garantir cette adoption politique du principe de préservation va être le changement qui permettra à la RDC de pouvoir créer une harmonie entre les engagements internationaux que nous prenons et ce qui est réellement fait par les administrations techniques. Alors, deuxièmement, un autre défi, c'est cette fameuse reconnaissance des droits des communautés locales traditionnelles, des terroirs traditionnels des communautés locales. La reconnaissance des droits n'est pas un simple mot. C'est pouvoir dire, vous avez la terre, vous avez ce qui est important pour nous, vous avez le droit sur cette forêt que vous connaissez. Voici, nous sommes disposés à appuyer votre développement, à appuyer vos initiatives, mais s'il vous plaît, continuez à surveiller cette forêt. Avec le droit, avec cette reconnaissance de leurs droits, les communautés sont des acteurs entiers et dynamiques dans les programmes de préservation que nous avons. Un troisième défi, et non pas le moindre, c'est la planification concertée du développement de la RDC.
Aujourd'hui encore, nous avons en RDC une gouvernance des ressources naturelles qui est spécialisée, qui est indépendante pour chacune des ressources naturelles. Il faut une coordination. Il faut que l'occupation de l'espace, l'occupation du sol soit coordonnée autour d'une planification commune et harmonieuse. L'aménagement du territoire est le processus qui nous permettra d'aller vers cela. Mais c'est également... Justement, et justement, oui, non, merci, justement, j'allais rebondir dessus, je sais, merci pour ces trois défis. Ben justement, c'est exactement ça qu'on voulait vous demander. Donc, il y a à peu près 60% du territoire en RDC qui est couvert par les forêts. Donc, comment on fait pour l'aménager d'une manière qui soit écologiquement bonne, socialement juste, et surtout, comment vous, donc représentant de la société civile, vous faites entendre votre voix dans ce débat sur l'aménagement du territoire et le foncier? Ok. Le débat sur l'aménagement du territoire, ben, la société civile a grand peine à se faire entendre là-dessus. Ok, donc, ok, un petit commentaire peut-être. Oui, parce que... L'aménagement du territoire impose une approche de dialogue, de l'inclusion, de la concertation et qui parfois est très éloignée des pratiques de l'administration, généralement en RDC où l'État est le seul à pouvoir élaborer, à pouvoir mettre en œuvre ses programmes. Et la société civile a tendance à le ramener pour dire que c'est notre terre à tous. On a besoin que vous preniez en compte les besoins des communautés. Ok, j'ai un problème de son. Est-ce que ça va, Estelle? Tu peux me confirmer que je sens... Moi, j'entends très bien. Non, moi, j'entends bien. D'accord. J'entends des messages qui apparaissaient. Donc, je parle donc de la planification concertée du développement qui va venir rassembler autour de l'aménagement du territoire tous les secteurs qui ont une incidence sur le sol, sur l'occupation du sol, afin de mettre en place une procédure unique de projection, d'affectation et surtout de contrôle de l'occupation des terres. C'est un processus incontournable pour atteindre les objectifs climatiques. Donc, il est souhaitable que les enjeux environnementaux de la RDC, qui sont portés par un leadership supérieur au ministère, donc la présidence, vont venir encadrer la mise en œuvre par les administrations, la mise en œuvre des programmes par les administrations, qui, elles, vont planifier leur installation sur le territoire à travers un mécanisme, un processus unique où chacun vient déclarer ses projections et où chacun vient rendre compte de l'occupation effective. L'aménagement du territoire a cet avantage de pouvoir, premièrement, donc, fixer une procédure unique de l'affectation et du contrôle, mais surtout donner des règles, des exigences dans le processus d'affectation de la terre. Et ces règles sont des règles environnementales. Vous ne pouvez pas affecter un espace sans avoir effectué les études environnementales nécessaires, sans avoir effectué une consultation efficace des communautés, sans avoir considéré les ayants droit de cette terre. Donc, ces règles-là, l'aménagement les porte et les diffuse au travers de ces procédures. L'aménagement est également le processus qui, après, va venir récolter les informations par rapport à l'occupation réelle du sol, de la terre. Comment est-ce que les différentes administrations ont affecté la terre, ont affecté l'espace qui leur était attribué? Est-ce que cela entre en cohérence avec le programme national? Est-ce que cela répond aux aspirations des acteurs locaux? L'aménagement va donc mettre autour d'elle un cadre de concertation où chacun pourra s'exprimer. Alors, la société civile, dans ce cadre-là, dans ce processus, a un rôle important et très intéressant parce qu'elle va permettre de créer le lien entre le niveau national et le niveau provincial. Aujourd'hui, l'immensité de la RDC en connu, un très, très grand pays, aujourd'hui, il y a un écart dans le suivi, dans la diffusion de l'information, dans la documentation même des initiatives de planification entre le niveau national et le niveau provincial. La société civile peut, grâce à ces méthodes de dialogue concerté, de dialogue multi-acteurs, rassembler et mobiliser les acteurs autour de ces questions. Elle est également l'un des acteurs qui a le plus d'expérience dans la consultation des communautés. Je comprends, on s'entend bien. Ici, on parle d'une consultation qui répond aux critères de CLIP, où la communauté ne reçoit pas simplement l'information, mais elle s'exprime par rapport à cette information et elle donne son avis, elle donne une réponse par rapport à ses propres aspirations. Et cette expérience, cette expertise de la société civile, elle peut être versée dans le processus efficacement lors de l'élaboration des outils. C'est un atout donc précieux pour l'administration et pour le gouvernement qui est en élaboration de différentes réformes, aussi bien de l'aménagement du territoire
la réforme foncière, la réforme agricole et l'élaboration de la politique forestière, tout ce que nous demandons, c'est la disponibilité de l'administration à mettre en place ces cadres d'échange qui vont permettre aussi bien à la société civile qu'aux acteurs locaux de pouvoir s'exprimer par rapport à leurs attentes sur le programme que le gouvernement va venir soutenir. Donc, par cela, on peut donc dire que, par cela, on peut donc dire et conclure, je m'arrête par là. Conclure que le message de la société civile, le débat que la société civile peut apporter, c'est principalement des ouvertures pour le dialogue. Nous pensons que c'est au travers du dialogue que les différents éléments et outils vont être élaborés. Et ça, je te rends la parole, mais je serai prête à la reprendre quand tu le voudras. Mais merci beaucoup, non, Angélique, merci beaucoup. C'est vraiment, on sent vraiment la force et la conviction de la société civile dans vos paroles. Je vous remercie. Effectivement, il faut pas, c'est pour laisser un petit peu le temps aux questions-réponses. Il y en a déjà quelques-unes que j'ai dû, qu'on a dû un petit peu écourter. Écoutez, merci beaucoup Angélique à nouveau. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est donner la parole à une autre perspective, celle de M. Igor Gildas Tolakougadou et des quatre collaborateurs qui le rejoignent aujourd'hui de la République centrafricaine. Donc, M. Igor Gildas est coordinateur national RED. La RED, c'est un acronyme pour réduire les émissions qui viennent de la déforestation et de la dégradation des forêts. Et ceci, donc, au sein de la division du ministère de l'Environnement, qui est responsable de toutes les questions liées au changement climatique, au progrès de la mise en œuvre des accords de paix. Et c'est pour ça que c'est ce lien-là qui nous intéresse aussi, et donc de cette réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation des forêts. Donc, Monsieur Togadou, la RCA, on le sait, sort d'un long conflit dont les secousses se ressentent encore. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce relèvement de crise et ce processus de réconciliation peuvent aller de pair avec la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais des merveilleuses forêts tropicales de RCA? C'est à vous, Igor. Bien, merci beaucoup, Stelle, et bonjour à tout le monde. Comme disait Stelle, je suis Tolakougadou, coordonnateur et expert national changement climatique de la République centrafricaine. Et donc, je suis là pour répondre à quelques questions et participer à ce débat-là. Et comme vous le savez, Estelle, la République centrafricaine, c'est un pays le moins avancé qu'on appelle les PMA, l'un des pays les moins avancés. Et malheureusement, ce pays est frappé par une crise militaro-politique depuis 2013, où nous sommes en train de faire un effort de s'en sortir. Mais cette crise a frappé le pays, a eu un impact vraiment négatif sur le pays, et au niveau humain également, mais aussi au niveau économique. Cette crise a touché réellement le pays, où le PIB, qui était à 58% avant cette crise-là, aujourd'hui, on se retrouve à 0,5% de PIB. Et c'est seulement avec l'arrivée du professeur Fossé Akos-Touadéra, président de la République chef de l'État, en 2016, que le combat maintenant, que nous sommes sur la voie maintenant de la reconstruction de notre pays. Et également, la production agricole a repris, la paysannerie, qui représente 86% de l'emploi, mais la production de café et de coton n'ont pas encore totalement repris. Et donc, nous sommes en train de faire un effort avec le document que nous avons préparé, qu'on appelle le RCPCA, donc un document de relèvement que le gouvernement a préparé avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence l'Union européenne et les autres partenaires, qui ont permis aujourd'hui le relèvement de notre pays. Et c'est ce document-là qui est en train de nous aider et un canevas qui est tracé pour nous permettre de relever le pays. Mais quand on parle de perte, également, donc si on parle de perte de forêt, ça veut dire que nous parlons des facteurs et les moteurs directs et les moteurs indirects de déforestation. En République centrafricaine, il y a certaines études qui ont été menées dans le cadre du processus RED+, et également, nous avons identifié ces facteurs, ces moteurs de déforestation directe, à savoir l'exploitation accélérée, comme disait Angélique tout à l'heure, qui faisait allusion à cela déjà. Et donc, nous avons l'agriculture qui est identifiée comme facteur direct de la déforestation. Et nous avons aussi également l'exploitation minière artisanale qui touche or et diamant dans notre pays et qui affecte également, qui font partie des causes directes de la déforestation. Et nous avons également la production industrielle. Mais je tiens aussi à dire que
L'exploitation industrielle en République centrafricaine est assujettie à un plan d'aménagement. Les 14 permis, nous avons pris 14 permis d'exploitation et industrielle, et ces 14 permis d'exploitation industrielle sont tous sous un plan d'aménagement. Et donc, les 14 permis sont sous plan d'aménagement que nous sommes en train de suivre, que le département en charge de forêt est en train de suivre minutieusement au niveau de la République centrafricaine. Mais j'avais parlé tout à l'heure des facteurs directs et les facteurs indirects. Nous avons l'instabilité politique qui fait également partie de ces facteurs indirects. Les conflits que nous avons vécus dans le pays font partie également des facteurs indirects. Et nous avons aussi la crise s'est beaucoup plus développée vers le nord et le centre du pays. Et donc, les gens ont beaucoup plus tendance de fuir la crise, la guerre et de se réfugier dans la forêt. Et donc, beaucoup plus aujourd'hui, ils ont le taux de la population a augmenté dans ces zones forestières-là et dans ces zones où nous avons octroyé des permis. Et donc, du coup, comme disait Angélique tout à l'heure, quand nous avons des débardeurs qui passent, mais la population s'installe automatiquement. Et quand on s'installe, et c'est les petites agricultures qui se naissent là, et automatiquement, il y a la dégradation, et on va parler de la dégradation de la forêt. Et donc, voilà ce qui se passe au niveau de notre pays. Et donc, cette crise-là, par exemple, vers Bangui, la capitale, le conflit d'utilisation des terres provoque de fortes taux de déforestation également. Comme les gens fuient, ils sont arrivés à Bangui. Et l'exemple est palpable. Si vous arrivez, je ne sais pas, je crois que Olé est arrivé à Bangui, mais quand vous faites juste 5 km de Bangui, même moins de 2 km de Bangui, on n'a plus la forêt. C'est totalement dégradé. Or, Bangui est entouré par la forêt. Et donc, c'est même tout ce travail-là que nous sommes en train de faire. Et cependant, pour répondre précisément à votre question, Estelle, je pense que oui, nous pensons au niveau du pays, au niveau de la RCA, que la sortie de la crise militaro-politique que nous avons connue et la protection de forêts pour la lutte contre le changement climatique ne sont pas juste des processus parallèles. Ce n'est pas des processus parallèles, mais des processus entièrement liés. Parce que s'il y a la crise, automatiquement, il y a l'impact. Et aujourd'hui, le gouvernement sud-africain est en train de mener une étude sur l'impact de la crise militaro-politique sur l'environnement tout entier, pas seulement que sur la déforestation, mais sur l'environnement dans sa globalité, et qui peuvent se renforcer mutuellement. Alors donc, pour faire face à cela, nous sommes dans une période vraiment charnière, nous sommes dans une situation de relèvement, et avec ce travail que fait le gouvernement sud-africain aujourd'hui, nous sommes en train de faire la reprise de l'économie de notre pays. Alors, qui dit reprise de l'économie, ça veut dire qu'il y aura l'exploitation minière qui va se reprendre. Nous avons également l'exploitation industrielle, les grumes vont être augmentées. Et donc, du coup, il y aura un impact encore vraiment sur la forêt. Et il y aura un impact sur la forêt. Et c'est comme ça que nous sommes en train de travailler également avec CAFI. Et avec CAFI, nous avons pu élaborer, CAFI a appuyé le gouvernement sud-africain à élaborer son cadre national d'investissement. Ce cadre national d'investissement 2020-2025 nous a permis également de voir, d'analyser et de planifier concrètement une autre issue pour permettre cette reprise économique, pour ne pas que cette reprise économique ait des impacts négatifs sur la forêt. Et donc, aujourd'hui, nous avons, avec ce document cadre national d'investissement, nous avons trois études de faisabilité que nous avons lancées. La première étude qui touche la forêt, qui touche Bangui et ses environs. L'autre étude de faisabilité d'un programme pilote est pour la forêt du sud-ouest, du sud-est, donc vers la forêt de Bangassou. Et l'autre également... Et l'autre également. Ah, d'accord.
Merci. Non, c'est très bien. J'allais justement rebondir, pour vous demander voilà, concrètement exactement où ça se passe et à quoi ça ressemble. Donc, allez-y, je vous en prie. Et donc, notre troisième étude, c'est dans la forêt du sud-ouest, vers la forêt de Sangambaire, où nous allons commencer à faire cette étude de faisabilité. Et cette étude de faisabilité, nous avons l'AFD qui appuie le gouvernement sud-africain et pour cette étude de faisabilité, et également pour une lettre d'intention pour que nous puissions avoir, pour que nous puissions signer avec CAFI. Voilà, je m'arrête là. Non, merci, Monsieur Dougadou. Non, ça fait plaisir quand même de constater cet optimisme et cet entrain malgré les difficultés qu'on sait que votre pays traverse. Donc, pour continuer, en fait, je vais me tourner vers notre troisième panéliste, c'est Madame Berta Pesci, qui est à la tête du secrétariat de cette initiative dont on parle, l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Donc, CAFI, c'est une initiative qui appuie les 6 pays d'Afrique centrale dont j'ai parlé avant, dont la RDC et la RCA, dans le choix d'un développement vert rural qui épargne les forêts, et avec deux objectifs, de lutter contre la pauvreté et de lutter contre le changement climatique au travers de la préservation des forêts. Donc, de ce qu'on sait de CAFI, c'est un fonds qui a pour le moment réussi à mobiliser près d'un demi-milliard de dollars en 5 ans. Berta, est-ce que c'est assez, un demi-milliard de dollars, pardon, et est-ce que l'argent, ça suffit dans des contextes fragiles? Merci beaucoup Estelle et merci beaucoup à tous les panélistes et aussi aux participants pour les questions. Voilà, la question est un peu compliquée. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que déjà pour commencer et donner peut-être un petit contexte historique autour de la création de ce fonds qui est géré par les Nations Unies et qui après opère au travers de différentes agences de mise en œuvre en partenariat avec les 6 pays que Estelle a mentionné, c'est qu'en fait sa création était basée sur le constat que tous ces outils de finance climat, que ce soit le fonds vert, que ce soit le programme d'investissement forestier, la facilité de la Banque mondiale pour le carbone forestier, etc. Donc, tous ces outils plutôt globaux ou mondiaux qui existaient, souvent les pays de la région, malgré la richesse en termes de couverts forestiers et de ressources naturelles, que les autres panélistes ont déjà bien décrit, donc les pays n'ont pas pu bénéficier de ces financements à la hauteur justement de leur contribution à la lutte globale contre les changements climatiques, et aussi les besoins des populations. Et donc, c'est avec cette idée que cette facilité et ce fonds a été créé en 2015 pour que ça cible justement ces pays et qu'on travaille ensemble, comme a expliqué Igor, avec les gouvernements pour identifier les besoins d'investissement qui permettront à la fois de réduire la pression sur les forêts, mais aussi appuyer les populations locales dans leur quotidien et dans la lutte contre la pauvreté. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très positif, le fait que depuis donc la création, on est arrivé à cette capitalisation. Après, bien sûr, la question, si on compare ce montant avec les besoins en termes de développement, si on regarde les indices d'insécurité alimentaire, si on regarde les plans d'investissement sectoriels en matière d'infrastructure ou d'agriculture ou de gestion de ressources naturelles, bien sûr, ça ne représente qu'une fraction minime des besoins d'investissement. C'est pour cela un peu l'idée de CAFI, c'est donc créer un mécanisme qui vise, qui travaille avec ses pays partenaires, mais aussi qui travaille après en partenariat, en synergie avec d'autres grands partenaires, donc que ce soit la Banque mondiale, l'Union européenne ou les appuis bilatéraux des partenaires pour que tout le monde travaille de concert ensemble vers des objectifs partagés et ainsi essayer d'augmenter l'impact de nos interventions.
Donc voilà, donc bien sûr, on est activement, je veux dire, c'est mon travail, lever des fonds, donc essayer de mobiliser plus de financement pour l'initiative qui a été prolongée de 5 ans, donc jusqu'à 2027. Donc c'est quelque chose de très positif et voilà, on va continuer ce travail. Juste un petit mot par rapport au contexte fragile. Donc comme mon collègue Njoya a expliqué aussi un peu dans sa présentation, mais aussi les collègues Igor, Angélique qui ont donné un peu le contexte. Donc, en plus d'avoir bien sûr cet objectif pour CAFI de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques, donc essayer de préserver au mieux ce patrimoine forestier, il y a énormément d'autres défis liés à des phénomènes naturels, mais aussi malheureusement des situations, des circonstances humanitaires ou politiques, donc qui rend le travail beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'on travaille dans des contextes opérationnels beaucoup plus difficiles. Donc ça veut dire que ça prend plus de temps de monter des projets, de les mettre en œuvre, d'avoir les premiers résultats. Des fois, il faut recommencer de zéro parce qu'il y a des changements. Voilà, qu'on ne peut pas en fait adresser avec les outils ou les cadres qu'on avait créés avant. Donc effectivement, ça demande, je pense, un effort additionnel de la part de nos partenaires sur place, donc des gouvernements, la société civile et les autres acteurs, mais aussi de nos agences de mise en œuvre. Donc je pense que c'est, donc si par exemple, si on compare avec d'autres fonds ou d'autres initiatives dans le même domaine, donc qui appuie les pays en Amérique latine, donc dans les autres bassins forestiers, évidemment le travail est un petit peu plus compliqué et plus complexe vu la situation de fragilité souvent dans lesquelles les pays se trouvent. On a vu les statistiques sur le niveau de développement, l'index de fragilité, etc. Donc je pense que ça rend juste notre travail collectif plus difficile et ça fait que des fois les résultats prennent un peu plus de temps à arriver. Merci pour cet éclairage et dont les défis. C'était ma deuxième question. Du coup, je vais passer à monsieur Stéphane Taillet, qui est sous-directeur climat et environnement au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Donc, monsieur Taillet, la France, c'est l'un des contributeurs au fonds CAFI et elle appuie donc par ce biais les pays dont la RDC et la RCA. Donc, du point de vue d'un bailleur, quels sont, mais aussi d'un partenaire qui est à la fois diplomatique, financier et technique, quelles sont vos motivations pour investir dans la lutte contre le changement climatique au travers des forêts ou en tout cas des ressources naturelles dans ces pays, alors que ça semble quand même assez complexe? Merci Estelle pour cette question et puis merci aussi pour votre invitation à ce panel. Alors, tout d'abord, pour nous, l'environnement et le développement sont en fait des urgences liées et dont les impacts sont susceptibles de s'aggraver mutuellement et du fait notamment des contextes fragiles. On a en effet tout d'abord les pays les moins avancés, hein, donc qui sont les plus vulnérables au changement climatique et donc qui en subissent les conséquences. On a par ailleurs la gestion non durable ni équitable des ressources naturelles, hein, telles que les ressources forestières, par exemple, dont on parle beaucoup depuis le début de ce panel. Et donc là encore, cette gestion non durable peut être à l'origine de certains conflits ou même contribuer à les entretenir. Enfin, il y a aussi des contextes fragiles qui sont susceptibles d'aggraver encore ces facteurs de vulnérabilité. Et donc, ça inhibe les capacités de développement des pays. Donc, dans ce contexte global, la France est aussi engagée à travers sa diplomatie en faveur de l'atteinte des objectifs climatiques de l'accord de Paris. Pour nous, c'est une sorte d'héritage, si vous voulez, et dont on se sent garant. Et il y a aussi la nécessité de préserver l'environnement et ses ressources naturelles. Donc ça, c'est un élément qui est important pour la France comme pour bon nombre de pays
à travers le monde. La France, concrètement, concentre sa politique de développement sur quelques pays prioritaires qui appartiennent donc tous à la catégorie des pays les moins avancés. On en compte 19 et donc on y soutient un développement durable qui est respectueux de l'environnement. Pour nous, c'est une condition incontournable aujourd'hui à l'atteinte des ODD. Alors, parmi ces pays, on retrouve la République centrafricaine, on retrouve la RDC, qui sont partenaires de l'initiative CAFI, mais on trouve aussi des pays comme l'Éthiopie, le Tchad, le Niger, le Mali, donc un certain nombre de partenaires aussi qui participent à d'autres initiatives à laquelle est partie la France, et notamment, je pense, à la Grande Muraille. Donc, la France soutient d'un côté des pays qui possèdent de vastes forêts tropicales, comme celle de l'Afrique centrale, et de l'autre, on soutient aussi des pays d'Afrique de l'Ouest et sahéliennes, qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles. Donc, je voudrais insister sur cette initiative qu'on appelle l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, qui a été lancée lors du One Planet Summit, qui a été organisé à Paris au mois de janvier 2021. Et donc, on s'est investi dans cette initiative en vue de renforcer et d'optimiser sa mise en œuvre, parce que pour nous et pour bon nombre de pays au Sahel, la Grande Muraille Verte constitue une opportunité unique pour le développement durable de cette région, et elle contribue de manière concomitante à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la désertification, la perte de biodiversité, et dans un même temps, ça favorise la sécurité alimentaire de ces pays. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, et peut-être pour conclure ma réponse par rapport à votre question, c'est que la France est aussi active sur différents niveaux. En fait, il y a un premier axe qui porte sur la prévention de la dégradation des écosystèmes, hein, et qui porte aussi sur l'atténuation des changements climatiques. Et donc là, j'ai en tête particulièrement la lutte contre la déforestation. Et il y a aussi une approche qui vise à restaurer et à adapter face à des dégâts sur l'environnement. Donc, ces dégâts sont déjà identifiés. Et notamment, j'ai en tête la restauration des terres dégradées pour la sécurité alimentaire, l'eau et le climat. Et donc, selon nous, les arbres et les forêts sont au cœur de ces enjeux. Et pour nous, les forêts tropicales sont à la fois des puits de carbone, des réservoirs de biodiversité, et de multiples services sont rendus aux populations grâce à ces forêts. Mais nous savons aussi aujourd'hui qu'elles contribuent à réguler les pluies, leur périphérie, donc ça encore, c'est un élément extrêmement, extrêmement important. Et la science nous a montré récemment que les forêts de l'Afrique centrale régulent en fait les pluies jusqu'à l'Éthiopie. Donc là encore, c'est extrêmement important de tenir compte de ce qu'apportent ces écosystèmes. Donc voilà, c'est un combat commun, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là. Donc on est tous concernés, hein, à la fois pour ses conséquences locales, régionales, mais aussi mondiales. Et donc, on a tous intérêt à soutenir l'atteinte des engagements climatiques et environnementaux, notamment dans des pays en situation de fragilité. Merci beaucoup. Non, mais merci. C'est moi qui vous remercie. Peut-être juste une petite question que j'ai déjà posée aux autres intervenants. Mais alors, pour vous, si vous deviez choisir trois des principaux défis à cet appui, lesquels seraient-ils et comment, assez rapidement, vous proposez de les surmonter? Alors, par rapport à ces trois défis, nous, en fait, on est confrontés à certains éléments. Alors, tout d'abord, il y a l'instabilité politique et institutionnelle, hein, ça a déjà été évoqué, mais ça peut conduire à des changements radicaux d'orientation nationale, et donc ça peut avoir évidemment des implications fortes. Le deuxième volet, le deuxième défi auquel on doit faire face, c'est l'instabilité sécuritaire. Là, on est dans des contextes nationaux où les conditions sécuritaires sont particulièrement précaires. Donc, on pourrait citer par exemple la région du lac Tchad, hein, où la crise humanitaire a pris ses racines dans le rétrécissement du lac Tchad. Et donc, ça a provoqué une désertification aux alentours, et donc en provoquant des mouvements de population et des facteurs d'instabilité dans la région. Donc, ça peut être un exemple assez parlant.
Monsieur Tola Kokadou a évoqué les conflits au nord de la RCA, là encore, qui entraînaient des mouvements de population vers les forêts. Donc, vraiment, c'est un thème récurrent sur lequel on est particulièrement vigilant. Enfin, troisième défi, c'est les contextes d'extrême pauvreté auxquels on fait face. Et là encore, ça implique de tenter de concilier parfois urgence humanitaire et vision de long terme pour un développement plus durable au bénéfice des populations. J'ai en tête toute l'importance que revêtent les services d'eau et d'assainissement qui sont coûteux et qui sont lents à mettre en place. Voilà, pour surmonter ces défis, on a intérêt à mutualiser nos efforts, hein, nos financements, nos réseaux diplomatiques avec les pays partenaires. Donc, c'est le cas de CAFI, mais on pourrait aussi parler de l'AREI, concerne les énergies renouvelables en Afrique. Là encore, c'est une initiative sur laquelle la France est très motrice, avec d'autres pays bailleurs. On a aussi l'initiative CRUSE, donc Climate Risk and Early Warning Systems, qui est très présente en Afrique. Elle finance des projets d'alerte précoce face au choc climatique. Elle vise à sauver des vies, à essayer d'anticiper les événements dramatiques et donc les conditions extrêmes. Et notamment, l'idée, c'est vraiment de sauver et d'alerter les populations en amont de ces événements. Et ce sujet est d'autant plus crucial que les effets du changement climatique tendent à s'intensifier et à s'accélérer avec le temps, et notamment en Afrique centrale. Alors, on a la chance d'avoir une agence de développement qui est très présente dans la RFD et donc qui apporte non seulement son expertise, mais aussi ses relations et son engagement sur le terrain. Je tiens aussi à valoriser la coopération institutionnelle qu'on a avec le PNUD. C'est un acteur extrêmement important dans la région. C'est un partenaire pour nous majeur, incontournable en matière de développement. On a un excellent dialogue. Et un dialogue qui est constant. Et donc, on a de nombreux points de convergence, à la fois sur notre analyse de la situation et sur nos positions. Et je tiens aussi à saluer particulièrement l'action du PNUD dans les pays les plus fragiles, en particulier au Sahel, qui est une priorité de la politique de développement française. Voilà, donc, ce qui est aussi appréciable, c'est par rapport au PNUD, c'est l'approche intégrée du PNUD, qui nous semble plus que jamais pertinente. Donc, c'est un des éléments aussi de cette discussion. Et donc, on voit la mise en relation entre à la fois l'agenda climatique et le contexte de fragilité. Et donc, c'est important de faire prévaloir cette logique intégrée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute sur ce panel. Merci, Estelle. Merci beaucoup, Monsieur Payet. C'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'il ne nous reste plus énormément de temps. Donc là, on va passer dans la partie des questions-réponses. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme je peux le voir, mais il y a en fait… Donc, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Il y en a beaucoup et elles sont assez riches. Donc, le public a aussi voté pour les questions qu'il aimerait voir adressées. Donc, je vais peut-être en choisir trois et demander aux panélistes de répondre le plus rapidement possible, de manière à ce qu'on ait le temps de conclure dans à peu près 6 minutes. Alors, il y a une question, là, je pense que ce sera pour Bertha, donc qui parle un petit peu de la République du Congo, l'autre Congo. C'est un pays qui a été classé en 2021 comme fragile du fait de son contexte institutionnel et social par la Banque mondiale. Donc, est-ce que Bertha, rapidement, tu pourrais nous dire ce que fait CAFI là-bas en République du Congo? Il y a une deuxième question. Alors, je vais la faire en français, mais qui parlait justement du rôle central des communautés locales et des peuples autochtones, comme l'a mentionné Angélique. Mais quel est l'appui qu'on fait concrètement pour soutenir ces communautés de manière très concrète? Et il y avait peut-être une question, et je suis vraiment désolée pour les… On va voir combien de temps on met pour répondre à celle-là. Il y avait aussi une question à la RCA sur quelles sont les thématiques dans le plan d'investissement RED de la RCA. Peut-être si Igor a le temps d'y répondre en pas plus d'une minute. Voilà. Donc, je vais peut-être passer. Alors, si
vous pouvez lever la main, panéliste, si vous voulez rajouter. Je vais peut-être passer la parole à Bertha sur la question sur la République du Congo et l'appui, entre autres, de CAFI aux communautés locales. Et après, on passera à Igor. Et je sais qu'il y a beaucoup de panélistes qui ont très envie de répondre aux questions, particulièrement sur la RDC, qui ont été posées, mais on va commencer comme ça. Donc, Bertha, je ne sais pas si tu as pu voir les questions, si tu veux que je les répète. Oui, non, c'est bon, je vais répondre très rapidement pour laisser le temps aux autres. Donc, oui, donc, nous avons déjà plusieurs partenariats dans la région avec la République du Congo qui a été signé par son Excellence le président Macron et Sassou en 2019. Donc, c'est un accord à la hauteur de à peu près 65 millions de dollars. La programmation est en cours sur les secteurs, ce dont on a parlé, foresterie, agriculture, aménagement du territoire. Il y a un appui spécifique réservé à la société civile. Donc ça, c'est un dossier en cours. On est à votre disposition après pour donner plus d'informations sur notre site. Il y a plein d'informations sur nos programmes. Et sur la question par rapport à la gouvernance et à l'appui aux communautés, donc notre troisième plus grand appui après l'agriculture et la démographie, c'est dans le domaine de la gouvernance. Donc gouvernance, ça veut dire donc appui aux structures institutionnelles et aux administrations, mais aussi des programmes qui travaillent spécifiquement avec les peuples autochtones ou avec la société civile, donc des programmes qui sont consacrés à eux, et dans nos programmes de développement rural, nous avons un objectif de créer à peu près 1 million d'hectares de foresterie communautaire qui est déjà en cours dans ces programmes que nous mettons dans les provinces en RDC. C'est aussi quelque chose qui fait partie du plan d'investissement du Gabon. Donc voilà, après, encore une fois, on est à votre disposition. Comme vous pouvez imaginer, un demi-milliard de dollars, c'est beaucoup de programmes. Donc vraiment, nous couvrons tous ces secteurs et on reste à votre disposition pour en dire davantage, soit des plans, soit l'état de la mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertha. Je vois qu'Angélique a la main levée. Peut-être on va continuer sur la RDC. Angélique, vraiment, 1 minute. Comme ça, on peut laisser Igor répondre. Et puis après, on passera malheureusement déjà aux conclusions. Vas-y, je te laisse la parole. Une petite minute. Merci, Estelle. Oui, je vais être très brève. C'est en effet pour rebondir également dans le cadre de la lettre d'intention avec la RDC qui est en train de se clôturer donc, cette année-ci. La lettre d'intention a prévu effectivement des appuis pour les peuples autochtones et pour la société civile, qui était, je pense, c'était une très, très bonne initiative. Malheureusement, il nous a semblé que dans l'expérience que nous avons faite de ces 5 années, les communautés ont été un peu oubliées et que dans la prochaine lettre, on aimerait qu'il y ait plus de financement qui arrive directement auprès des communautés afin qu'elles puissent les mettre en œuvre elles-mêmes. Et bien sûr, au niveau local, nous savons qu'il y a des organisations de la société civile qui travaillent directement avec les communautés locales et qui peuvent donc aussi encadrer pour les aspects techniques dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. La société civile ne peut pas tout faire. Nous aimerions que les financements arrivent directement auprès des communautés. Nous aimons aussi le fait de pouvoir appeler la société civile en termes de contrepoids aussi à tout ce qu'il y a comme initiative de la part du gouvernement pour servir également de boutons d'alerte en cas de déviation. Mais il est important de pouvoir préserver la pluralité de la société civile. La force de la société civile porte dans sa diversification, dans tout ce qu'elle peut avoir comme expertise technique diversifiée. Or, ce qui a été constaté, c'est qu'à travers des processus de financement aussi grands que ceux que CAFI a mis en place, on choisit un acteur et on veut faire de cet acteur un canal. Cela peut réfréner justement cette indépendance de la société civile, ce contrepoids que peut jouer la société civile. Donc, les négociations sont en cours en RDC pour la nouvelle lettre d'intention de 10 ans, on espère donc pour cette fin d'année. Et nous aimerions réellement, Bertha, certainement que je vais revenir vers vous, entrer, faire des propositions par rapport au mécanisme de la prochaine lettre d'intention pour mieux intégrer la société civile, la rendre plus efficace dans le cadre des programmes CAFI, qui ont beaucoup aidé, je dois quand même l'avouer, qui ont beaucoup aidé à pouvoir centrer les questions autour des communautés et autour de leur place dans les forêts. Merci.
Merci beaucoup, Angélique. C'est bien entendu, effectivement, cette grande phase de négociation est particulièrement intéressante et enrichissante quand on entend les points de vue de tout le monde. Alors, Igor, en une minute, pas plus, juste vraiment 30 secondes. C'est parti juste sur quel secteur s'articule le cadre national d'investissement RED de la RCA. Bon, je pense que nous sommes focalisés beaucoup plus sur l'aménagement intégré et inclusif du territoire national. Et nous avons également mis l'accent beaucoup plus sur le développement d'une agriculture rémunératrice. Et nous avons également mis l'accent sur l'exploitation minière, réduction des prélèvements des bois énergie, adoption en pratique d'exploitation et gestion des écosystèmes. Voilà. Parfait. Magnifique de concision. Merci. Écoutez, je veux à nouveau remercier donc nos quatre panélistes pour vos interventions enrichissantes et dynamiques. Je pense qu'on n'a pas le temps de refaire le sondage. J'espère simplement que les gens qui ont écouté, on était quand même une centaine, ont pu enrichir leur perception de la nécessité d'agir. Il y avait des questions sur quels sont les résultats actuels. Je pense qu'on devra refaire une nouvelle série de dialogues sur les résultats, particulièrement dans les actions, dans les zones de conflit. Et voilà, il faut que je passe, enfin, avec plaisir, je passe la parole à Ron Jackson. Ron Jackson, qui est à la tête, je l'ai perdu, qui est à la tête, je vais le faire en anglais, of the Disaster Risk Reduction and Recovery Team of UNDP, l'équipe de réduction des risques et de réémergence du PNUD. Sorry, I'll switch to English again. To kindly summarize his take-home messages, and then expand it a little bit based on today's very very rich discussions. Ron, this is the floor is yours. Thank you, Estelle, and certainly delighted to be a part of this conversation. And I want to start first by really commending Kathy and all the colleagues who are engaged on the ground implementing what I think is a very important initiative in a very complex and challenging environment. And certainly what I draw from the conversation really was not so much the challenges, even though they're quite important, but I find the enthusiasm in trying to find solutions to the complex problems of addressing what I think is a central pillar of ensuring that people-centered development can be delivered in spaces of high fragility and crisis. So I want to start there. And the conversation really brought out, I think, a number of key elements related to some of the drivers, the environment, natural resources, which themselves often drive and precipitate some of the other types of challenges, conflict, migration, et cetera, which impacts on development pathways. The issues of governance, poverty, and governance for me is a big one. We've seen where governance is weak, then certainly the risk associated with development tend to take root and really create further systemic challenges. I'm particularly drawn to the conversation around rights, you know, the rights of the people, agency, access of people, because I think it's central to development. And it came out several times. I heard Angelique reinforce that again towards the end, where she spoke to, you know, the importance of providing that enabling environment and a space for citizen participation, but also access to resources to advance on some of these particular initiatives, looking at civil society. Engagement across all partners, I think was of particular importance. And certainly when we talk about UNDP within that space, and I note the opening from my UNDP colleagues, and it brought my thoughts to UNDP as an integrator, and not only what we're doing, but how we can also bring other actors to this space, leveraging some of the experiences. And I do believe Excellency Pala
mentioned the importance of other partners building on and integrating the experiences of CAFE and ensuring that, as Bertha pointed out, that this particular investment can be multiplied, I would say threefold, recognizing that it is a seed investment in a solution that I think is necessary and is central to advancing any development approach. So in considering all of the very important points and recognizing the presence of what I call a number of drivers within a very complex space, it really brings me back to what UNDP is doing. And yes, I work within the Crisis Bureau, but I'm a part of the Global Policy Network, which is looking at how it brings integrated solutions to problems, and recognize as we get set to launch our new strategic plan, focusing on three key areas, you know, the issue of resilience building, on leaving no one behind, and on transformation. Initiatives like the one in the Central African Republic, the one being advanced by CAFE, and even as we look at the Great Green Wall initiative, is, I think, very central to those three outcome areas that UNDP is seeking to deliver its services along those lines. You know, the investment in these areas is going to lead to resilience building, is going to seek to bring people out of extreme poverty and ensure that we can really address this issue of leaving no one behind. But within that, I think opportunities for bringing innovative approaches that will help our states transform. So yes, we're working in a very complex context, but there is optimism that we can, you know, we can bridge these sort of drivers of risk by bringing new approaches to that space. And as we talk about fragile and crisis affected states, and we look at one of the key features under the new strategic plan, you know, the development solutions for fragile and crisis contexts that UNDP is currently working on, I think is going to really need to have a lens on the work of CAFE, and to see how we can bring integrated work streams within UNDP to not only look at the issue of the environment, which I think is central to maintaining livelihoods, lives, and advancing development, but to bring other elements that are going to be necessary to address some of these issues that we've seen in terms of conflict, but also natural hazard events that are impacting the space. We see, you know, the environment as being one space where the expression of the often used term nexus approaches are going to be critical. You know, how do we ensure that in a complex work environment, working space, we can advance these development solutions that we're talking about? One, within the context of some of these humanitarian issues that are emerging, but also pivot from that into a sustained development approach. So all the, I know I don't have much time, but all of the initiatives that are being worked on now around conflict prevention, around risk-informed development, around urban resilience, where we're looking at issues of localization and local approaches, the nature-based approaches, the energy offers, and the water offers. I see them as being very key to complement what's happening here in the Central African Republic, on top of what we've heard from the CAFE partners. But more anon, I think the initiative in the Central African Republic doesn't only resonate in that space. Listening to the colleagues and what has been applied, I see it certainly as an initiative that can be adopted and scaled up and applied in other spaces where we see the forest as being of critical import. They are the lungs of our communities. And I said before, they are a major part of the environment and the resources that are necessary to sustain lives and livelihoods. We have to find a way to create that balance around how we use that space, both for the economic opportunities it presents, but also for the intrinsic value it provides to our health and well-being. And I close by recognizing the opening statements by Angelique, that it doesn't have to be a choice of one or the other. It's about how we can really address that particular balance between the intrinsic value and the economic imperative. So I'll close there and want to thank all the speakers who contributed to this event, and to thank the organizers. I truly enjoyed
listening and also learning about the CAFIC program. Even though I'm within UNDP, I learned a lot listening to the different speakers and the perspectives that they brought to the event. So thank you and best wishes from the UNDP community. Thank you very much, Ronald. And with your words, I think we can conclude the event. Thank you again to everyone, to the 100 people who joined. And I think there'll be many more conversations. So please keep an eye on the series and what UNDP has to offer. And we hope to see many of you, online in real life sometime soon. Bye, thank you very much.